Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois d'avril. Je sais que je suis pas hyper active en ce moment sur YouTube, mais je suis en train de rédiger mon mémoire, donc forcément ça me prend pas mal de temps, je me concentre beaucoup là-dessus. Mais j'ai réussi, mine de rien, à pas mal lire. Donc on va débuter par, je dirais, les livres que j'ai lus au format numérique. Ensuite on passera aux BD et on terminera avec les romans que j'ai en physique. Je vais directement sur mon application Goodreads pour ne pas oublier certains livres que j'ai lus en numérique et que du coup qui sont sortis de la tête. En premier, j'ai lu les deux premiers tomes de The Bridge Kingdom, donc The Bridge Kingdom et The Traitor Queen de Danielle L. Jensen, et j'ai adoré. C'est Mathilde qui nous en avait parlé parce qu'elle fait un concept en ce moment sur Instagram, ça vous intéresse, où elle essaie de trouver des livres un petit peu dans la vibes d'Akotar. Donc elle a plusieurs livres pour ce challenge et à chaque fois elle essaie de dire où est-ce qu'il y a des similarités et tout. Et elle a adoré, donc on l'a lu ensuite avec Laura Lee et une pépite, vraiment c'était trop trop bien. Il y a le tome 3 qui sort en papier ce mois-ci, en mai, donc beaucoup trop hâte de lire le nouveau tome de cette saga. Il me semble qu'il va y avoir 6 tomes au total si je dis pas de bêtises. Mais franchement, si vous aimez les Enemies to Lovers, cette saga c'est une pépite. Je vous fais un petit résumé, je le parcours parce que comme j'ai lu directement le tome 2, je voudrais pas faire de spoil. Mais en gros, on y suit le personnage de Lara qui a toujours été entraînée en fait dans le désert avec ses sœurs pour devenir en quelque sorte une assassine, sachant que c'est aussi une des princesses de son royaume. Et si elle a été entraînée pour devenir une assassine, c'est parce que une de ses princesses, donc elle ou ses sœurs, eh bien va être choisie pour être mariée au prince du royaume ennemi. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à soutirer des informations, à l'assassiner si le besoin se fait ressentir. Et donc c'est le personnage principal de Lara qui se retrouve marié au roi Arryn, donc du Bridge Kingdom, donc le royaume du pont en français, qui est le royaume ennemi. Et en fait elle va se rendre compte, Lara, que la version qu'on lui a dépeinte de The Bridge Kingdom, donc le royaume ennemi, et de Arryn, c'est pas forcément la vraie version. Et elle se retrouve tiraillée entre son propre pays, les besoins en fait de son pays, et la version dont elle est témoin en arrivant donc à The Bridge Kingdom et en se retrouvant mariée à Arryn. Donc vous vous en doutez, il y a un petit côté Enemies to Lovers et c'est une pépite. Voilà, j'ai mis 5 sur 5 aux deux tomes. Ensuite, j'ai fait un gros craquage en science-fiction, puisqu'en fait il y a une collection qui est sortie sur Amazon Kindle, je crois, Kindle Unlimited, c'est écrit Amazon Original Stories, voilà. Et en fait c'est plein de short stories, 5 il me semble, écrits par des auteurs assez célèbres sur de la science-fiction un peu dystopique. Donc j'en ai lu de mon côté 4. J'ai lu Summer Frost de Blake Crouch, Randomize de Andy Weir, Arc de Veronica Roth et Emergency Skin de N.K. Jemisin. C'est tous à peu près autour de 60-70 pages, je dirais. À savoir que j'ai vraiment pas accroché avec Randomize de Andy Weir, qui est très sur les algorithmes, sur essayer de craquer en fait le code de, comme à Las Vegas, des machines à sous hyper modernes, en gros dans le futur. C'était pas ce qui m'a vraiment plu. Mais par contre j'ai beaucoup aimé Arc de Veronica Roth et Summer Frost de Blake Crouch. Je vous laisserai aller lire le résumé parce que sinon ça va faire beaucoup. Et puis comme c'est des short stories, vous avez peut-être pas forcément envie de savoir ce qui se passe à l'avance. Et Emergency Skin, c'est dur à dire, j'ai pas été transcendée. J'ai mis 3 étoiles mais voilà, ça se lit vite. Si vous aimez la science-fiction et la dystopie, n'hésitez pas à aller lire cette collection. C'est tout pour les livres que j'ai lus au format numérique. Après j'ai lu 3 BD. Puisque je suis allée au salon du livre et après on a aussi fait un petit tour des librairies parisiennes avec Mathilde et Laura Lee, donc forcément j'ai craqué puisqu'il y avait de belles dédicaces, donc forcément je me suis laissée tenter. En premier donc j'ai lu Dans les yeux de Lia de Kuna et Carbone. J'ai beaucoup aimé, pareil ça se lit hyper vite, le tome 1 se finit sur un cliffhanger, donc on a envie de découvrir rapidement la suite. Mais c'est l'histoire très touchante en fait de Lia dont la vie bascule la veille de ses 17 ans puisqu'elle se retrouve dans un accident, il y a un chauffard qui lui roule dessus et qui s'en va. Et en fait Lia, elle va se rendre compte rapidement qu'on a fait en sorte que ses parents ne cherchent pas à savoir qui est le coupable. Et Lia, eh bien elle va essayer d'intégrer, même elle a réussi, elle intègre un cabinet d'avocats puisqu'elle sait qu'eux ont peut-être la solution, savent peut-être le secret qui est caché, qui est la personne qui a rendu Lia dans cet état, qui fait qu'elle est aujourd'hui en fauteuil roulant. Je sais plus si elle est paraplégique ou tétraplégique, je ne sais plus.
toujours de Carbone, mais on a aussi donc Forms et Barrow. J'ai lu le tome 1 de La Sentinelle du Petit Peuple, la pommade des fées, puisque je me suis fait dédicacer le tome 1 et le tome 2 avec cette jolie dédicace. Et en fait, le problème que j'ai, je me suis rendu compte avec ces livres-là, parce qu'il y a aussi... comment ça s'appelle ? La boîte à musique qui a été scénarisée, donc écrite par Carbone, c'est que j'adore vraiment les dessins, les émotions véhiculées par les personnages dans le dessin, mais je trouve que parfois l'intrigue laisse un peu à désirer par rapport à l'univers créé par le dessin en fait. Et c'est ce que j'ai ressenti avec La Sentinelle du Petit Peuple, où vraiment la palette de couleurs, les émotions, voilà, comme j'ai dit, véhiculées par le dessin, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément plu. Pour autant, j'ai pas trouvé l'intrigue si transcendante que ça, ça n'a pas été une déception, mais j'aurais pensé que ça pouvait être un petit peu plus poussé. Et donc pour La Sentinelle du Petit Peuple, on y suit le personnage d'Elina qui est en visite chez sa grand-mère Adélaïde, immobilisée en maison de repos, et elle va apprendre qu'elle doit devenir la Sentinelle du Petit Peuple. Sa grand-mère Adélaïde lui lègue son rôle de protectrice de ces êtres féeriques, garant de l'équilibre de notre terre. Et justement, ils ont besoin de l'aide d'Elina au plus vite. Elle doit suivre les conseils d'Adélaïde pour enfin voir Liam, Nelvina et toutes les autres créatures, mais surtout partir à la recherche d'une ondine mystérieusement disparue près du lac aux oiseaux. Et donc j'ai le tome 2 dans ma pile à lire que je lirai quand même avec plaisir puisque ça reste une bonne lecture. Là on est sur, je pense, un de mes comics favoris, une nouvelle saga favorite, ce qui est drôle puisque la saga s'appelle Saga, mais j'adore, franchement. Je l'avais vu passer sur le bookstagram anglophone avec beaucoup d'avis justement qui disaient que c'était vraiment vraiment trop trop cool. Et je suis d'accord, c'est vraiment trop bien. L'univers est hyper riche, l'intrigue est hyper intéressante, on a un Enemies to Lovers, c'est narré par leur enfant, ce que je trouve beaucoup trop cool. Et je vous lis le résumé tout de suite. Un univers sans limite, peuplé de tous les possibles. Une planète, clivage, perdu dans la lumière froide d'une galaxie mourante. Sur ce monde en guerre, la vie vient d'éclore. Deux amants que tout oppose, Alana et Marco, donnent naissance à Azel, un symbole d'espoir pour leurs peuples respectifs. L'espoir, une idée fragile qui devra s'extraire du chaos de clivage pour grandir, s'épanouir et conquérir l'immensité du cosmos. J'ai tellement aimé que j'ai acheté le tome 2 et 3 directement sur Momox parce que je les ai trouvés d'occasion. Et ouais, j'aime trop. Soyez juste prévenus qu'il y a du contenu graphique, donc et visuellement et textuellement, mais c'est vraiment une pépite pour le coup. Vous vous en doutez, j'ai mis 5 étoiles. Et on va pouvoir passer au roman que j'ai lu. Et en termes de roman, j'ai eu franchement beaucoup de bonnes lectures. En premier, alors j'ai bien aimé, j'ai pas été transcendée, mais c'est du jeunesse, donc dans tous les cas, je sais que c'est pas les romans auxquels je vais forcément mettre 5 étoiles parce que ça peut me plaire, mais c'est jamais un énorme coup de cœur. Et c'est Les Sœurs Hiver de Jolan Bertrand. C'était une histoire vraiment hyper touchante, hyper mignonne et surtout drôle parce que le personnage principal est vraiment hyper rigolo. Et en gros, le résumé nous dit qu'il y a très longtemps, il y avait deux hivers. La grande, avec ses froids polaires et ses blizzards, et la petite, avec ses glissades joyeuses et ses batailles de boules de neige. Mais depuis que la petite a disparu, tout est détraqué au village de Brume. Les adultes sont inquiets, plus personne ne rit aux bonnes farces d'Alfred, et surtout, les trolls passent leur temps à voler des objets qu'ils emportent à tout jamais dans la taïga. Lorsque l'oncle Alfred se porte volontaire pour apporter les objets volés, et qu'il disparaît sous ses yeux, avalé par la tempête, c'en est trop. Il faut partir à sa recherche coûte que coûte, braver les dangers de la forêt boréale et affronter la grande hiver. Et j'ai vraiment trop aimé. Ça aborde aussi beaucoup de choses importantes, je trouve, auprès d'un public jeune. Donc par exemple, on a un personnage qui est transgenre, on a, il me semble aussi, l'homosexualité qui est abordée. Enfin, c'est des sujets qui sont hyper importants et qui sont abordés avec tellement de nonchalance, si je puis dire, que ben en fait ça paraît totalement normal, et c'est totalement normal, mais c'est assez peu abordé dans les livres jeunesse je trouve, donc j'ai trouvé que c'était super, et c'est d'ailleurs l'auteur lui-même, transgenre si je dis pas de bêtises, qui nous l'a vraiment très bien vendu quand on était au salon du livre. Et du coup j'ai mis 3,75 et voilà. Et je recommande aussi si vous aimez les illustrations, parce que les illustrations dans celui-ci sont juste magnifiques, et il coûte vraiment pas cher puisqu'il est seulement à 12€, donc si vous cherchez des petits jeunesses sympathiques à lire, foncez. Après on change complètement de registre, mais celui-ci j'avais envie de le lire depuis très très longtemps et Mathilde me l'a offert pour Pâques parce qu'elle est juste trop gentille. Et donc du coup j'ai lu, j'arrive plus aujourd'hui, ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé de vidéo, du coup c'est l'apocalypse, je bégaye. Mais je disais, j'ai lu Annihilation de Jeff Vandermeer, qui est un livre que j'avais vraiment envie de lire depuis que j'ai vu le film à plusieurs reprises sur Netflix. Et j'avais adoré la vibe, hyper oppressante, catastrophe naturelle, est-ce qu'il y a une autre forme de vie qui est là, on ne sait pas.
Et j'ai encore plus adoré le livre, vraiment je pensais pas, mais j'ai trop aimé. Déjà le tome 1 se lit hyper vite puisqu'il fait environ 200 pages. Mais c'est trop trop bien, en fait on est dans une ambiance assez huis clos, assez oppressante. Il y a des choses qui se passent, mais les personnages n'ont pas tous la même perception de ce qui se passe en fait. Et du coup on est hyper embrouillé, on n'arrive pas à savoir si on peut se fier à notre narrateur et tout. C'est trop trop bien. Et je vous donne le résumé. Notre expédition était la première à entrer dans la zone X depuis plus de 2 ans. En regardant ce paysage paisible, je ne pense qu'aucune d'entre nous n'en voyait encore la menace. La zone X, mystérieuse, mortelle et en expansion. 11 expéditions soldées par des suicides, meurtres, cancers foudroyants et troubles mentaux. 12e expédition, 4 femmes, 4 scientifiques seules dans une nature sauvage. Leur but, ne pas se laisser contaminer, survivre et cartographier la zone X. J'ai d'ailleurs entamé le tome 3. Oui, non, peut-être le tome 2 avant le tome 3. J'ai d'ailleurs entamé le tome 2 et j'ai le tome 3 dans ma pile d'ailleurs parce que mon copain m'a offert les deux suivants dans un acte de gentillesse. Je suis très bien entourée, franchement. Après, j'ai lu un livre pareil. J'ai enchaîné les bouquins avec une ambiance assez particulière puisque j'ai lu The Push de Ashley O'Drane. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs à certains moments. Mais j'ai beaucoup aimé la manière dont ça aborde le sujet de la maternité et le fait que c'est pas forcément naturel, c'est pas forcément instinctif pour toutes les mères et que les relations mère-fille peuvent complètement changer. Puisque là, en fait, on y suit un personnage principal. Donc, notre personnage principal qui s'appelle Blythe, si je dis pas de bêtises, mais on va aussi suivre sa mère. Donc la relation de sa mère avec elle quand elle était enfant et la relation de Blythe qui elle-même devient mère avec sa fille Violette qui est extrêmement difficile. Donc voilà, on y suit ce personnage qui ne veut pas que l'histoire se répète en quelque sorte puisque elle-même a toujours eu une très mauvaise relation avec sa mère. Sa mère la frappait, elle l'enfermait, elle l'a toujours, comment dire, tenue à l'écart, elle l'a jamais vraiment aimée et puis surtout elle l'a abandonnée très jeune. Et donc là, on suit Blythe qui vient d'avoir son premier enfant qui s'appelle Violette. Et elle se dit qu'elle va essayer de donner tout l'amour qu'elle peut à sa fille, tout l'amour que sa mère ne lui a pas donné à elle. Mais les premiers-nés ne sont jamais faciles. Et Violette est extrêmement demandante et comment dire, pas très aimable si je puis dire. Elle ne sourit jamais et elle est même vraiment méchante en fait. Donc Blythe, elle commence rapidement à se rendre compte que, eh bien, il y a quelque chose qui va pas, soit avec elle, soit avec sa fille, ou peut-être les deux. Et puis son mari, Fox, ne la soutient pas du tout en fait, il est persuadé que c'est dans sa tête qu'elle imagine tout ça, il n'arrive pas à voir que sa fille est quand même légèrement perverse. Sauf qu'il pense de cette manière puisque Violette est complètement différente quand elle est avec lui. Elle est extrêmement gentille, extrêmement souriante et dès qu'elle est avec sa mère ou en public, elle devient odieuse. Et donc on va essayer de suivre la relation entre mère-fille, entre ange et monstre et le fait qu'on ne choisit pas forcément son héritage. Entre guillemets. Et c'était vraiment extrêmement intéressant et dur à lire aussi parce que on voit, en fait, ce que j'ai trouvé particulièrement touchant, c'est qu'on voit une mère qui veut aimer son enfant dans une relation qui du coup ne va dans qu'un sens et qui se retrouve blessée constamment avec personne qui n'arrive vraiment à comprendre pourquoi elle se sent comme ça et qu'est-ce qui ne va pas dans la relation qu'elle a avec sa fille, et voilà. C'était vraiment hyper hyper intéressant, j'ai trouvé, j'ai mis 4,5 sur 5, il me semble. Ensuite, on va terminer encore une fois qu'avec de bonnes lectures, puisque j'ai mis. Là, ça va être un 4 étoiles et ensuite 2 5 étoiles. Mais j'ai lu la LC du mois de A Court of Readers qui était This Violent Delight de Chloé Gong. Je pensais vraiment pas du tout aimer ce livre en fait, puisqu'il y a tout un côté mafia qui, moi, ne m'intéresse absolument jamais dans les livres et j'avais peur que ce soit extrêmement présent dans ce livre-là et que du coup je passe complètement à côté de ma lecture. À savoir que c'est quand même principalement un retelling de Roméo et Juliette, donc j'avais espoir que ce côté-là me parle vraiment plus. Et pour le coup, j'ai vraiment bien aimé. Le côté mafia est présent, mais plus pour porter le Enemies to Lovers et pour montrer à quel point, eh bien, il y avait du racisme, de la colonisation présente à Shanghai à cette époque, puisque ça se passe, il me semble, dans les années 1920, et donc en fait, se séparer en gang, c'est le seul moyen d'essayer d'assouvir un certain monopole sur la ville et d'empêcher que la colonisation prenne le dessus, entre guillemets. Donc c'était assez intéressant. Et bien évidemment, bah, ça nous aidait à comprendre pourquoi est-ce que nos deux personnages principaux ne pouvaient pas être ensemble. Mais donc ce qui renforce l'intrigue, le cœur du sujet de l'histoire, c'est qu'il y a des gangsters des deux camps, en fait, des deux clans de la mafia, qui commencent à devenir complètement fous, à se suicider, à s'arracher les yeux, à faire des crises horribles. Et ils disent même qu'ils aperçoivent en fait des sortes d'ombres, des monstres dans la rivière, dans les ombres, tout ça.
Et donc, eh bien, nos deux personnages principaux, Juliette et Roma, vont devoir s'allier pour essayer de résoudre ce mystère et faire en sorte que bien tout ne parte pas à volo à Shanghai. Et j'ai beaucoup aimé, donc 4 étoiles. Et là, on passe à mes deux meilleures lectures de ce mois-ci, je pense. En premier, on a All of Us Villains. J'ai trop aimé, vraiment. Typiquement, c'est le genre d'histoire, je vous en avais parlé sur TikTok et sur Instagram, c'est un mélange parfait entre les personnages de Vicious, l'univers de Harry Potter mélangé avec le concept des Hunger Games. Vraiment, parfait mélange, il y a le tome 2 qui sort très bientôt, j'ai beaucoup trop hâte, on a du coup des personnages qui sont hyper morally grey et j'ai adoré, j'ai trouvé ça très bien fait. Mais pour vous raconter un peu l'histoire, en gros, on est dans une société où il y a la raw magic, donc la magie normale, et la high magic, qui est la magie la plus puissante. Et pour éviter les débordements, entre guillemets, eh bien, il y a un monopole qui est créé où, eh bien, il y a une famille sur les 7 familles les plus puissantes qui va avoir le monopole pendant un certain nombre d'années. Et comment est-ce qu'on choisit qui va avoir le monopole? Eh bien, il y a un tournoi qui est effectué où un enfant, un adolescent plutôt, de chaque famille est envoyé pour devenir un compétiteur dans un tournoi et le dernier qui survit, donc qui a massacré tous les autres ou qui a laissé les autres s'entretuer, eh bien devient le gagnant et donc accorde donc à sa famille le monopole de la High Magic pendant une durée indéterminée jusqu'au prochain tournoi, généralement je crois que c'est une vingtaine d'années il me semble, et on y suit donc plusieurs personnages principaux, on en a 4 à peu près avec 2 qui se distinguent mais qui sont tous des participants au tournoi et qui veulent en fait essayer de changer les choses, alors pas tous et pas forcément de la même manière mais du coup c'est hyper intéressant et j'ai juste trop hâte de lire la suite, 5 sur 5. Et en dernier, j'ai été obligée d'en parler, il est sorti normalement il y a quelques jours mais on l'a eu en avant-première au Salon du Livre et c'est le dernier Franck Tillier, Labyrinthe. J'ai adoré, encore une fois, 5 sur 5. Comment ne pas apprécier les Franck Tillier? C'est un mastermind, c'est un génie. Il fait des intrigues, en fait, qui sont tellement savamment ficelées qu'on ne peut pas, à la fin, ne pas être choqué. Honnêtement, c'est pas possible. On peut voir certains twists venir parce qu'il fait toujours attention à dissimuler certains de ses indices. Mais c'est juste... franchement, c'est un génie. À savoir, par contre, que je trouve bizarre que ça ne soit pas mentionné qu'il faille avoir lu le manuscrit inachevé et il était 2 fois avant de lire celui-ci, puisque je pense que c'est essentiel. Il y a tellement de références qui sont faites à ces deux livres-là. Il y a des personnages qui reviennent. Il y a des références à la résolution des intrigues des deux autres. Donc, si vous êtes intéressé par Labyrinthe, avant, il faut commencer par le manuscrit inachevé, enchaîner avec Il était 2 fois, et ensuite lire le Labyrinthe, puisque c'est, bah, c'est extrêmement important pour que vous compreniez ce qui se passe dans celui-ci, en fait. Et je vous donne le résumé, puisque par contre je peux vous donner le résumé sans que ça vous spoil quoi que ce soit des deux autres. Une scène de pure folie dans un chalet, une victime au visage réduit en bouillie à coups de tisonnier, et une suspecte atteinte d'une étrange amnésie. Camille Nijinsky, en charge de l'enquête, a besoin de comprendre cette subite perte de mémoire, mais le psychiatre avec lequel elle s'entretient a bien plus à lui apprendre. Car avant de tout oublier, sa patiente lui a confié son histoire. Une histoire longue et complexe, sans doute la plus extraordinaire que Camille entendra de toute sa carrière. Tout d'abord, mademoiselle Nijinsky, vous devez savoir qu'il y a 5 protagonistes, toutes des femmes. Écrivez, c'est important. La journaliste, la psychiatre, la kidnappée, la romancière. Et concentrez-vous, parce que cette histoire est un vrai labyrinthe où tout s'entremêle. Quant à cette 5e personne, elle est le fil dans le dédale qui, j'en suis sûre, apportera les réponses à toutes vos questions. 5 sur 5, je l'ai passé à mon père puisque j'ai reçu un 2e exemplaire de la part de Fleuve Édition. Je pensais pas du tout qu'ils allaient me l'envoyer, donc du coup j'avais acheté celui-ci au Salon du Livre. Et mon père est aussi fan de Franck Tillier que moi, et donc je lui ai passé le manuscrit inachevé, Il était 2 fois, et celui-ci, pour qu'il puisse me donner son avis sur ces livres. Et voilà, c'est tout pour mon bilan lecture de ce mois-ci. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, et ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.